bon vendredi et que le week-end qui va bientôt commencer, vous avez prévu des bonnes choses pour vous. J'espère que vous êtes tous abonnés sur la chaîne, commentez, likez, partagez les vidéos et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler du sujet de une actrice qui vient de mourir en Angola, une actrice congolaise qui faisait du théâtre avec Mister Siatula, pour ceux qui connaissent. Elle vient de mourir là-bas. Les circonstances de sa mort, ce qui serait que elle est morte de tension parce qu'elle a trouvé son fiancé ou son mari, je ne sais pas trop, avec une autre femme. Et cette femme s'avère être aussi une personne qu'elle connaît. Et donc du coup, ben, elle est morte maintenant. Faites pas attention à moi là, hein. Je viens de faire du sport, donc je suis en train de rentrer chez moi et je profite pour parler de ça en fait. J'espère que vous entendez bien ce que je dis. Et donc elle est morte. Et aujourd'hui, je voulais parler aux femmes, j'allais leur dire. De nos jours, hein, on ne meurt plus pour un homme. On ne meurt plus à cause de l'amour, à cause d'un homme. Pourquoi vous vous fatiguez comme ça, mesdames? Je ne sais pas pourquoi vous vous fatiguez comme ça. Hein? Pourquoi vous faites ça? Toi, tu vas mourir, mais la personne que tu vas laisser, elle va continuer sa vie avec quelqu'un d'autre. Hein? La personne que tu vas laisser, elle n'en a rien à faire du fait que toi, tu meurs. C'est ça que vous ne comprenez pas. Quand vous allez vous tuer là, ou quand vous mourrez à cause de l'amour ou à cause d'un homme. Elle s'en fout, la personne là, qui va rester. La personne donc pour laquelle vous allez mourir. Elle s'en fout. Arrêtez ces histoires-là d'aller sortir avec les maris des gens. Cherchez-vous vos hommes à vous. Mettez-vous avec eux, construisez vos vies. Une vie, c'est un chantier. Et quand vous la bâtissez bien, votre vie, vous la finissez bien. Vous comprenez? Là, je suis un peu essoufflée parce que je suis en train de monter des pentes là. Et ça fatigue un peu. Bon, arrêtez ces histoires-là. Cherchez-vous vos maris, construisez vos vies. Et n'ayez de dettes à personne. Voyez, et là, vous allez être béni dans votre vie. Mais si un jour vous avez commis quelque chose ou vous avez fait en sorte de faire qu'une autre personne souffre à cause de vous, vous allez le payer très 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 mal. Très 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 mal. Vous savez, si c'est pas vous qui payez, c'est vos enfants qui vont payer. Et là, ça me désole par rapport à elle. Pourquoi? Parce que elle va mourir pour un homme. Pourquoi tu vas mourir pour un homme? Si ça va pas, tu le laisses. Tu le laisses. Un être humain ne t'appartient pas. Si ça ne va pas, une relation qui ne fonctionne plus, laisse tomber. Parce qu'il y a des hommes qui pensent que parfois, si des femmes les aiment, ça veut dire que non, elles ne pourront jamais les laisser. Mais il y en a qui ne se rendent pas compte que pendant qu'une femme est en train de te parler et est en train de te dire certaines choses qui ne vont pas chez toi et que toi, tu n'écoutes pas, tu sais pas que pendant ces moments-là déjà, cette personne est en train de te laisser tomber en fait. Et le jour où tu vas t'en rendre compte, ça sera trop tard. Mesdames, arrêtez de vous accrocher à des personnes qui ne vous aiment pas. Une personne ne t'aime pas, tu le laisses. Tu le laisses. Tu peux beau faire des efforts avec une personne qui ne t'aime pas. Tes efforts seront toujours en vain. Parce que là, j'ai entendu qu'elle... Elle lui donnait de l'argent, elle faisait je sais pas quoi, etc. Et tout et tout. Peu importe ce que tu peux faire pour un homme qui ne t'aime pas, tout ce que tu le fais en vain. Parce qu'il n'en a rien à faire de toi en fait. Tu perds ton temps. Donc arrêtez de toujours vous sentir coupable et d'être là, oui, il m'aime. Une personne qui te montre déjà ses comportements. Hein? Une personne qui te montre déjà ses comportements par ses attitudes, c'est une personne qui ne t'aime déjà pas, mais qui n'ose pas te le dire. C'est juste ça en fait. C'est une personne qui n'ose pas te le dire. Donc toi, tu es là en train de te débattre, tu es là en train de te sacrifier, tu es là en train de tout faire pour que ça puisse fonctionner entre vous deux. Mais la personne, elle s'en fiche en fait. Pourquoi tu te prends la tête? Tu vas pas mourir pour la personne? Qui va s'occuper de tes enfants? Parce qu'à ce qui paraît, elle avait des enfants. Qui va s'occuper de tes enfants maintenant que tu n'es plus là? Tu crois que c'est d'autres personnes qui vont mieux s'occuper de tes enfants que toi-même? Le papa même en question là, si c'est avec lui que tu as eu enfant, il n'en a plus rien à faire parce qu'il sera trop occupé à courir derrière les femmes.
c'est seulement toi qui peux bien s'occuper de tes enfants, qui peux bien élever tes enfants et faire d'eux des personnes qui doivent être pour demain. C'est pas ton frère, c'est pas ta sœur, c'est pas ta mère, c'est pas ton père. C'est pas l'homme là qui va courir derrière les jupons des femmes, qui va s'occuper de ces enfants là. Donc quand tu vois certaines choses, tu vois un homme qui est tout en volage, un homme qui est tout en train de courir derrière les jupons des femmes, laisse-le. Ne te prends même pas la tête. Tu le laisses. C'est pas facile, c'est difficile, mais tu laisses. Parce que tu ne fais que te créer des problèmes pour demain. Tu ne fais que attendre des humiliations qui vont t'arriver pour demain. Et quand ça va t'arriver, tu vas regretter toute ta vie. Tu vas t'attendre toute ta vie pour te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là pour que je puisse laisser cette situation. Quand tu t'es déjà rendu compte de certaines choses, quand tu as déjà vu de tes yeux certaines choses, hein, même si la personne qui est à côté de toi n'arrête pas de te mentir pour te manipuler, pour t'amadouer, hein, parce que lui aussi là, il est en train de te préparer une bombe que toi tu ne sais pas à quel moment ça va arriver. Donc, quand toi-même tu as déjà compris certaines choses là, tu laisses, conseil gratuit, arrêtez de vous accrocher à des personnes qui n'ont rien à faire de vous. Ne mourrez pas pour des hommes, ou ne mourrez pas pour des hommes. Mourir pour un homme là, c'est la plus triste des histoires dans ce monde. Meurs parce que tu as fait quelque chose d'héroïque, parce que tu as sauvé quelqu'un. Meurs parce que tu es parti te battre pour quelque chose d'important. Mais ne meurs pas parce que tu aimes un homme. Ne meurs pas parce que un homme t'a quitté. Ne meurs pas parce que un homme ne t'aime plus. Ou une femme ne t'aime plus. Je parle beaucoup plus aux femmes parce que c'est souvent les femmes qui ont tendance à faire ce genre de choses. Ne meurs pas pour ça. Maman, beaucoup de choses bien qui t'attendent là. Beaucoup de choses bien qui t'attendent là. Toi, tu veux laisser ça parce que toi, tu veux mourir parce que l'homme là est parti avec telle personne. Maman, c'est quoi? Tu ne t'aimes pas trop? Tu ne t'aimes pas assez? Tu n'aimes pas tes enfants? Tu n'aimes pas ta famille? Hein? Tu n'aimes pas les choses que tu fais sur terre? La mission que Dieu t'a envoyée pour faire sur la terre, elle n'est pas assez importante pour que toi, tu restes en vie? Et tu vas mourir pour un homme? Pardon. Ça, je laisse ça, hein, aux personnes qui sont trop amoureux dans la vie. Pardon. Oh, c'est parce que toi, tu sais pas aimer. Moi, je sais aimer. Mais quand je vois foutaise sur moi, là, je te laisse. Je te laisse. Quand je te vois, tu veux faire foutaise sur moi. Oh, je vais te déposer proprement. Proprement. Sans faire d'excès. Je vais te déposer vraiment proprement. Toi-même, tu vas comprendre. Tu vas dire, oh, ah bon, c'est comme ça. Hein? Je vais te déposer tranquillement, tranquille. Et tu vas aller faire ta vie au calme. Au calme, je ne vais même pas te déranger. Pourquoi? Pourquoi je vais te déranger? Pourquoi? Pourquoi? Toi, tu veux faire ta vie. Pourquoi je vais t'enchaîner? Va faire ta vie. Tranquille. Mais tu me laisses ma vie faire au calme aussi. C'est comme ça. Vous savez, un homme, hein, c'est une cerise sur le gâteau de quelqu'un. Ça ne peut pas être la part de ton gâteau. La part de ton gâteau, là, c'est toi-même d'abord. Toi-même, tu es d'abord la part de ton gâteau. L'homme, là, c'est juste la cerise que tu viens rajouter par-dessus. Comment se fait-il que tu aies la part de ton gâteau? Parce que tu es d'abord une personne qui est accomplie déjà par toi-même. Tu sais te chercher. Tu sais que même si cette personne n'est pas là, tu vis. Tu sais que même si cette personne n'est pas là, tu respires. Tu sais que si cette personne n'est pas là, ta vie, elle continue. C'est ça, être la part de son gâteau. Donc, tu n'es pas accroché à cette personne-là, en fait. Donc, ta vie ne dépend pas de cette personne-là, en fait. Tu es ton propre gâteau. Et lui, ce n'est que la cerise qui vient compléter par-dessus. Et s'il n'y a pas de cerise, tu peux bien vivre aussi. Parce que toi-même, tu es déjà accompli. Tu es une personne accomplie. Et tu connais ta valeur. Une femme qui connaît sa valeur ne va pas perdre son temps à continuer quelque chose où elle sait qu'un jour elle peut se retrouver dans sa tombe. Oui, on mourra tous un jour, mais je préfère mourir dignement, mourir parce que c'était mon moment de mourir, que de mourir parce que j'ai aimé un homme un jour
Et cet homme-là m'a fait du mal. Et cet homme-là, à cause de lui, je me retrouve dans une tombe. Ou parce qu'il est parti aimer une personne qui a fait des fétiches sur moi pour que moi, je puisse mourir. Non. Je préfère mourir dignement. Mourir de la mort que Dieu a prévue pour moi. Je préfère ça. Comprenez? Donc arrêtez. Arrêtez de vous dévaloriser comme ça, les dames. Arrêtez. Hein? C'est quoi? T'es là, amie. C'est triste de voir des femmes qui meurent comme ça. C'est triste de voir des femmes qui meurent pour l'amour d'un homme. Ça fait mal. Ça fait mal. Aujourd'hui, là, cet homme-là va faire semblant de te pleurer pendant un certain moment. Et après, il va retourner chez la personne avec qui il avait commencé sa nouvelle relation. Qui est perdant. C'est toi qui es dans ta tombe. Lui, sa vie, elle continue. Sa famille n'a rien perdu. Mais toi, tu te retrouves dans ta tombe. C'est ta famille qui perd. C'est tes enfants qui te perdent. Réfléchissez. Réfléchissez. Quand une relation ne va plus, on laisse tomber. Cette histoire-là de toujours continuer à se forcer là chez les Africains, là, moi, je ne comprends pas. Si ça ne marche pas, on laisse tomber. Parce qu'il y a parfois, il y a des gens, vous n'êtes pas compatibles, tout simplement. Le comportement de la personne et le comportement de l'autre personne, ça ne matche pas. Ça ne colle pas. Donc, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Ça n'ira toujours pas. Donc, on laisse tomber. On laisse tomber. Parce que ce n'est pas la peine de continuer avec des comportements qui ne matchent pas. Parce que où les autres seront en train d'avancer, vous, vous serez toujours en train de reculer. Quand les autres seront en train d'accomplir leurs projets, vous, vous serez toujours en train de reculer parce que vos comportements ne matchent pas. Vos attitudes ne matchent pas. Votre manière de vivre, votre manière de fonctionner ne matche pas. Ça ne colle pas entre vous deux, peu importe ce que vous voudrez faire. Ça ne colle pas entre vous deux. Parfois, c'est parce que vous ne venez pas du même milieu. Parfois, c'est parce que vous ne venez pas de la même éducation. Parce que c'est parfois, il y a des choses qui ne collent pas en fait. Ta manière de penser et sa manière de penser ne collent pas. C'est tout simplement ça en fait. Il ne faut pas forcer. Si ça ne colle pas, ça ne colle pas. Vous pouvez essayer plusieurs fois, mais ça ne marche pas. On laisse tomber. Ça ne sert à rien de continuer. Parce que c'est votre souffrance que vous êtes en train de bâtir en fait. C'est votre souffrance que vous êtes en train de bâtir. Peu importe ce que vous allez faire, ça continuera toujours. Si ça ne matche pas, on laisse tomber. Les caractères, les comportements, la famille autour, les comportements de la famille autour, la manière de penser, la manière de réfléchir, tout ça là, vos ambitions à vous ne collent pas. Quand ça ne colle pas, ça ne colle pas. Il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. C'est vrai que parfois, on perd beaucoup d'années dans certaines histoires où il fallait même pas qu'on mette nos pieds parce que notre place n'était même pas là-bas. Mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Vous avez perdu du temps, mais vous rattraperez du temps que vous avez perdu en commençant d'autres choses, en faisant d'autres choses, en rencontrant d'autres personnes. Vous gagnerez votre temps. Les femmes vont dire oui, mais c'est pas facile pour nous par rapport à l'âge et tout ça. Et l'âge là, c'est pas ça qui fait ta vie. Tu peux avoir fait des erreurs dans ta vie, mais tu peux les rattraper à n'importe quel âge. À n'importe quel âge. Beaucoup d'hommes vont vous faire croire que à partir d'un certain âge, tu es prête à mettre au garage. Mais c'est faux. Ça, c'est pour vous décourager, pour que vous puissiez rester avec eux et que vous puissiez passer toute votre vie avec eux, des personnes avec qui vous n'avancez pas. C'est pour ça qu'ils vous disent ça. Parce qu'ils savent qu'eux, ils n'iront pas loin dans leur vie. Ils veulent que vous aussi, vous restez là avec eux. Mentalité de crabe pour vous retenir. Ils veulent qu'eux aussi, vous restez là avec eux. Comme ça, vous n'évoluez pas. Et comme ça, vous restez dans la même souffrance, dans la même douleur. Vous continuez dedans. C'est pour ça que certains hommes vous disent ça. Il faut arrêter de se limiter dans la vie. Ne vous limitez pas. Vous êtes capables de beaucoup de choses, les femmes. Vous êtes capables de beaucoup de choses, les femmes. Arrêtez de vous limiter. Arrêtez de penser que votre vie n'est que dans le mariage. Il y a des gens, leur vie ne se trouve pas dans le mariage. Il y a des gens, pour s'accomplir, ils doivent être seuls. Il y a des gens, pour s'accomplir, ils doivent être en couple. D'autres, non. D'autres doivent d'abord s'accomplir seuls avant d'être en couple avec quelqu'un. Avant de trouver la personne qui était disposée, qui était faite pour qu'ils soient avec eux, en fait. Mais il faut d'abord qu'ils s'accomplissent seuls avant de trouver cette personne-là. Et une fois que vous avez compris certaines choses, vous allez voir, il y a plein de choses qui vont aller tout seul. Il y a plein de choses qui vont glisser tout seul. Vous n'aurez même pas besoin de faire d'efforts. Vous n'aurez même pas besoin de faire d'efforts. Vous n'aurez même pas besoin de vous forcer pour quoi que ce soit.
Vous n'êtes pas obligé de vous accomplir dans le mariage. Il y a des femmes qui sont mariées depuis des années. Hein. Elles n'ont toujours rien accompli. Donc, ce que elles, là, Dieu leur avait demandé de faire sur la terre, là, elles n'ont toujours pas pu l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'elles sont coincées avec des personnes avec lesquelles elles ne devaient pas être dans leur vie. Détachez-vous des personnes qui ne veulent pas vous laisser accomplir ce que Dieu vous a envoyé à faire comme mission sur la terre. Beaucoup d'entre vous ont des dons, mais qui ne peuvent pas exploiter parce qu'ils sont mariés avec les mauvaises personnes. Beaucoup d'entre vous ont des dons qui doivent apporter à d'autres personnes, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont coincés avec les mauvaises personnes. Oui, l'erreur est humaine, mais apprenez à corriger vos erreurs. Apprenez à corriger vos erreurs. C'est pas facile, mais vous pouvez y arriver. Apprenez à corriger vos erreurs. Accomplissez ce que Dieu vous a mis à accomplir sur la terre. Travaillez sur vos dons. Travaillez sur vous. Concentrez-vous sur vous. Quand un homme vous laisse, vous vous concentrez sur vous. Vous vous concentrez sur l'éducation de vos enfants. Vous vous concentrez sur votre avenir. Si vous en rencontrez un qui est mieux, vous allez voir que beaucoup de choses que vous avez subies avec l'autre personne, vous ne vivrez plus avec cette personne. Mais si ça continue toujours, ça veut dire que vous aussi, il y a un souci. Vous rencontrez toujours les mauvaises personnes pour vous. Il faut laisser venir à vous les personnes qui sont censées être dans votre vie et pas les autres. Une personne ne colle pas avec vous, allez, de côté. Surtout si cette personne-là vous montre que non, vous êtes rien pour lui. De côté, laissez tomber. Ne vous prenez pas la tête dans la vie. Ne vous prenez pas la tête. Avancez sur votre chemin. Continuez sur votre chemin. Arrêtez de mourir pour des hommes qui n'en ont rien à faire de vous. Hein, mesdames? Arrêtez. Ne pensez pas parce que vous avez des enfants avec eux que ça veut dire qu'ils vont avoir pitié de vous. Hein. Ne pensez pas. Hein. Avancez sur votre chemin. Courez sur le chemin de votre destinée. Avancez. Arrêtez de mourir pour des hommes qui ne vous aiment pas. D'accord? Bon, je vous fais des gros bisous. Là, moi, je suis arrivée. J'ai beaucoup marché. Je suis fatiguée. J'ai mal aux jambes. Là, je suis arrivée. Je vais rentrer, prendre une bonne douche, prendre mon petit repas et après dormir. Bon, des gros bisous à vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Des gros bisous à vous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.